Paix et joie dans ton cœur, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons la joie de célébrer dans l'Église, en ce 8 avril, la fête de l'Annonciation. Marie, notre Mère, a accepté que le Seigneur passe par elle pour que son Fils bien-aimé, son Fils unique, notre Sauveur, Jésus-Christ, vienne dans ce monde. Oui, une fois de plus, le Seigneur nous témoigne de son amour. Comme nous avons eu à le dire, l'amour du Seigneur est infaillible. Il est intarissable. Il est inconditionnel. Maman, aujourd'hui, nous voulons te saluer comme l'ange t'a salué. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te rendre tout l'honneur qui t'est dû. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons. Tu as dit oui à Dieu, tu as porté Jésus. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons. Tu as dit oui à Dieu, tu as porté Jésus. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Mon frère, ma sœur, tu entends ce que cette parole nous dit. Marie a dit oui, elle n'a pas refusé, car c'est à travers son oui que le salut est entré dans ce monde. Alors, chante avec moi pour honorer la Mère du ciel, la Mère des hommes. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons. Tu as dit oui à Dieu, tu as porté Jésus. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons. Tu as dit oui à Dieu, tu as porté Jésus. Marie, femme bénie, Marie, femme choisie, intercède pour nous auprès de Jésus pour nous sauver du péché. Marie, femme bénie, Marie, femme choisie, intercède pour nous auprès de Jésus pour nous sauver du péché. Tu as dit oui à Dieu, tu as porté Jésus. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons. Tu as dit oui à Dieu, tu as porté Jésus.
maman, belle maman, nous te saluons, maman, belle maman, belle maman, belle maman. Nous te saluons, maman. Belle maman, belle maman, belle maman, belle maman. Merci à toi, Maman Marie, Vierge comblée, femme choisie entre toutes les femmes. Bienheureuse es-tu, toi qui as donné suite à l'œuvre de l'Éternel. Merci, car c'est à travers toi que le salut est entré dans ce monde. Tu es digne de notre honneur. Tu es digne de recevoir toute la louange. Mère des apôtres, mère des pauvres, mère des anges, femme élue, femme bénie, femme douce, femme bienveillante, femme simple, femme compatissante, mère aimable, mère tendre. Merci à toi, Maman Marie. Mon frère, ma sœur, je te souhaite de passer une belle journée dans la présence du Saint-Esprit avec son épouse, la bienheureuse Vierge Marie. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Pour la vie de la très sainte Vierge Marie. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.